Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur le protocole ARP. ARP, c'est l'abréviation de Address Resolution Protocol. Faisons un petit rappel sur ARP. On a vu dans le premier chapitre qui parle des réseaux locaux que le switch ou bien le commutateur, il utilise l'adresse MAC destination pour trouver sur quel port il va faire sortir la DRAM. Donc supposons qu'on a deux machines, la machine cliente d'adresse MAC A et d'adresse IP 192.168.1.1 et une machine serveur d'adresse MAC B avec l'adresse 192.168.1.254. Donc ces deux machines appartiennent au même réseau local et ils ont des adresses IP dans le même réseau IP. Donc si la machine cliente va envoyer la DRAM, d'accord, donc le switch, il va recevoir la DRAM sur le port droit, il va regarder l'adresse MAC destination, puis il va consulter sa table de commutation, il va voir que l'adresse MAC destination vaut B, il va chercher où se trouve B, B se trouve sur le port numéro 4, donc il va faire sortir la DRAM sur le port numéro 4. Ainsi, l'adresse MAC destination, c'est un champ clé dans la DRAM Ethernet. D'où la question, comment la machine cliente peut savoir l'adresse MAC destination? Alors on suppose que la machine cliente connaît déjà l'adresse IP destination, qui est 192.168.1.254. Mais maintenant, elle doit savoir l'adresse MAC destination, qui est B, d'accord, pour pouvoir former la DRAM Ethernet. Donc, c'est grâce à ARP qu'on peut retrouver l'adresse MAC destination à partir d'une adresse IP destination. Comment ça? Alors c'est simple, la machine A, la machine cliente, va envoyer sur le réseau une DRAM de type diffusion. Donc vous voyez bien ici l'adresse MAC destination FFFFF, d'accord, qui est l'adresse MAC de la diffusion. C'est-à-dire que le switch, quand il va recevoir cette DRAM, il va envoyer cette DRAM sur tous les ports du switch. Ainsi, toutes les machines du réseau vont recevoir cette requête ARP qui contient une question. Donc la machine A va se présenter. Voilà, je m'appelle la machine A, j'ai l'adresse MAC A et l'adresse IP.1. Et je demande à la machine .254 de m'envoyer son adresse MAC. Donc toutes les machines du réseau vont recevoir cette DRAM. Une seule machine, bien sûr, qui va répondre, c'est la machine 254. Elle va répondre par une réponse ARP. L'adresse MAC source, c'est bien sûr B. Et l'adresse MAC destination, ça sera A. Donc, c'est une DRAM de type unicast. On n'est plus dans le cas de la diffusion comme ici, d'accord. Et elle va répondre, voilà, je suis la machine .254 et voilà mon adresse MAC qui est B. Ainsi, la machine A peut former la DRAM. Il peut remplir le champ MAC destination, qui est B, et envoyer la DRAM classique. Et là, on retrouve l'adresse IP source, l'adresse IP destination et les autres champs des couches supérieures. Remarquons ici que la requête ARP et la réponse ARP n'ont pas des champs de la couche Internet et de la couche transport. On ne voit pas une adresse IP source et une adresse IP destination, ni un champ TCP source ou bien UDP source ou destination. Donc, c'est une question envoyée directement sur Ethernet. D'accord? Voilà, maintenant, la machine A peut envoyer la DRAM vers la machine B. Maintenant, on arrive à notre petit exercice. Donc, on a un petit réseau constitué d'un routeur Wi-Fi et deux machines, et moi je suis sur la machine .10. L'autre machine, c'est la machine .50 et le routeur 254. On nous demande d'afficher le contenu de la table ARP. C'est quoi cette table ARP? Alors en fait, ma machine, quand elle va communiquer sur le réseau, on a vu qu'elle va envoyer des requêtes ARP et recevoir des réponses ARP, d'accord. Alors, pour optimiser un peu la communication sur le réseau, la machine va enregistrer
ces correspondances entre adresse IP et adresse MAC dans une table qui s'appelle la table ARP, qui se trouve au niveau de la machine. Pourquoi ? Pour que quand elle va envoyer de nouveau des données vers une machine locale, elle ne va pas faire de nouveau une requête ARP. Donc elle va consulter sa table ARP pour voir si déjà est-ce qu'elle connaît l'adresse MAC de la destination. Si elle trouve une entrée dans la table ARP, donc elle va directement envoyer la DRAM. Si elle ne trouve pas d'entrée dans la table ARP, dans ce cas, elle va faire une requête ARP pour recevoir la réponse. Donc maintenant, je vais voir le contenu de ma machine, de la table ARP. Pour cela, on va utiliser la commande ARP-A. Alors, je trouve, ça c'est l'adresse IP du routeur Wi-Fi. D'accord ? Et ça c'est l'adresse MAC du routeur Wi-Fi, obtenue d'une façon dynamique. Donc déjà, ma machine a communiqué avec le routeur Wi-Fi, d'accord ? Et elle a obtenu l'adresse MAC du routeur grâce à une requête ARP. Et elle a enregistré cette correspondance dans la table ARP. D'accord ? J'ai une seule entrée pour le routeur Wi-Fi. Ceci prouve que ma machine a déjà communiqué avec le routeur Wi-Fi. Déterminer l'adresse MAC du routeur Wi-Fi, on a déjà vu ça. Faire ping sur PC2. Alors, on va faire ping sur PC2. Ping 192.168.1.50. Voilà, j'ai une réponse. Et après, déterminer l'adresse MAC du PC2. Donc, comment je vais savoir l'adresse MAC de la machine PC2 sans aller la chercher sur la machine PC2? Il suffit de faire ARP-A de nouveau, car ma machine a déjà communiqué avec PC2. Donc, sûrement qu'elle a obtenu son adresse MAC d'une façon dynamique, c'est-à-dire en utilisant des requêtes ARP. Voici donc l'adresse MAC de la machine PC2, la machine .50. D'accord. Lancer une capture Wireshark et faire ping sur le routeur Wi-Fi. Avant ça, effacer l'adresse MAC du PC2. Pour effacer une entrée dans la table ARP, il suffit de taper ARP-D, D comme delete en anglais, et puis l'adresse IP 192.168.1.50. Donc je veux effacer la première ligne. Je vais vérifier en faisant ARP-A. Je ne trouve plus l'entrée de la machine .50. D'accord. Maintenant, il nous demande de lancer une capture Wireshark et faire ping sur le routeur Wi-Fi et sur PC2. Arrêter la capture. Question, y a-t-il des requêtes ARP pour le routeur et pour PC2? Donc le but de cette petite question, c'est de mettre en évidence les requêtes ARP quand il n'y a pas d'entrée dans la table ARP. Alors maintenant, pour mon PC, j'ai une seule entrée pour le routeur Wi-Fi. Ça veut dire que si je vais faire ping sur le routeur Wi-Fi, normalement, il n'y aura pas de requête ARP parce que déjà ma machine connaît l'adresse MAC du routeur Wi-Fi. Par contre, j'ai déjà effacé l'entrée pour PC2. Donc si je vais faire ping sur PC2, je dois capturer des requêtes ARP pour PC2. On va voir ça. Alors, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'entrée pour PC2 avant tout. D'accord. Wireshark, je vais lancer la capture. Start. Je vais faire ping sur 192.168.1.254. J'ai une réponse et j'ai pas capturé de requête ARP. Maintenant, je vais faire ping sur la machine .50.
Normalement, avant d'obtenir la réponse, je dois recevoir des requêtes, je dois capturer plutôt des requêtes ARP. Arrêtons la capture et voyons les résultats. Donc là, on trouve, ça c'est l'adresse MAC de ma machine. Comme adresse MAC source, l'adresse MAC destination, c'est la diffusion, comme on a bien dit pour la requête ARP. Donc, c'est une requête ARP qui dit, voyons les détails, on retrouve l'adresse MAC destination DSF, d'accord. La question c'est, qui a l'adresse IP 50, informe la machine .10. Donc, sender MAC adresse, ça c'est l'adresse MAC source. L'adresse MAC destination, on ne connaît pas, on la cherche. Et ça, c'est l'adresse de ma machine qui cherche l'adresse MAC de la machine .50. D'accord. Et on retrouve l'adresse MAC, plutôt, là, on retrouve la réponse ARP. Donc, vous voyez bien, c'est une trame ARP de type reply, réponse. Et là, on trouve l'adresse IP de PC2 qui donne des informations sur l'adresse MAC de PC2. Donc là, l'adresse MAC du PC2 finit par CE. Ainsi, ma machine, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elle a consulté la table ARP avant de faire un ping. Elle n'a pas trouvé d'entrée pour PC2. C'est pourquoi elle a généré une requête ARP pour obtenir l'adresse MAC de PC2. Quelle est l'adresse MAC destination de la requête ARP? On a vu que ce sont des F, c'est-à-dire la diffusion. Faire un ping sur yahoo.fr et afficher le contenu de la table ARP. Y a-t-il une entrée qui concerne l'adresse IP de Yahoo? Donc le but de cette question, on va faire un ping www.yahoo.fr. Voilà, j'ai la réponse. Maintenant, faisons ARP.A. Et là, on trouve qu'une seule entrée pour mon routeur Wi-Fi. On vous demande, est-ce qu'il y a une entrée pour yahoo.fr? Est-ce que là, on connaît l'adresse MAC de yahoo.fr? Ben non. Et pourquoi? Parce que je vous rappelle que le ARP, c'est un protocole local, c'est-à-dire qui sert à retrouver les adresses MAC des machines locales sur mon PC. Ça, c'est une adresse IP. Yahoo.fr, c'est une adresse IP sur Internet. D'accord? Et bien sûr, ma machine, pour arriver à cette adresse IP, a consulté sa table de routage et a déterminé qu'il faut faire passer la requête au routeur. Donc là, l'adresse MAC destination au niveau de la trame qui a sorti de ma machine, c'est le routeur. C'est pourquoi on ne trouve pas une entrée pour l'adresse IP de yahoo.fr. Parce que là, on n'est pas en train de communiquer directement sur le même réseau avec yahoo.fr. Mais on utilise le routeur pour faire ça. D'accord? Donc, faut faire attention à cette notion de ARP qui est vraiment locale et qui n'a rien à voir avec les machines qui sortent hors de mon réseau local. D'accord? Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, au revoir.